94 TER 955, on est derrière le véhicule, on prend les quais, direction les Alouettes. Une équipe de la BAC, la brigade anticriminalité du Val-de-Marne, dans la banlieue parisienne, prend en chasse une voiture qui brûle tous les feux rouges. Il continue le long des quais, direction choisie. Le fumier. Le chauffard prend même la file de gauche à contresens. Ouais, qu'il se mette au pont, il a coupé, choisi. Il a coupé ses feux. Ouais, gauche. Le véhicule prend à gauche. Ils sont usés à gaz. C'était à 26. Là. Le véhicule coupe ses feux. Direction. Les gens d'industrie, ils sont venus, ils vont prendre direction Pompadour. Le véhicule revient direction ben. Les Alouettes. On est sur Étienne Dolé. On passe le cimetière. Le véhicule roule à très vive allure. Il y a une chicane, faille à droite. Le fuyard traverse les carrefours à une vitesse incroyable. Plus de 100 km/h en ville. Il emprunte les Dodanes à la même vitesse. Le véhicule a pris la rue de Rome. Direction maison. C'est bon, on assure, les gars. Rue de Marseille. Ça va à droite. On reprend Étienne Dolé. On avance, tant que... Direction vers les Alouettes. Il habite aux Alouettes. Hein. C'est véhicule. Tu as les maths, hein. Ouais, fausse-moi plaqué. La voiture est faussement plaquée, autrement dit, probablement volée. Il reprend les gaz. Oh putain, il roule. Attention, il y a du monde. C'est vu. Il y a du monde en face. La police a mis en place un barrage. Une voiture blanche est en travers de la route. Il y a du monde. Ça va tirer. Histoire collègue. Le fuyard passe à droite entre le barrage et les arbres. Histoire collègue. Pousse-toi. Putain, il est passé, cet enculé. Non, c'est bon, arrête. Non, c'est bon. S'il était passé à gauche, il aurait mis en péril la vie des deux policiers, prêts à tirer en situation de légitime défense. C'est bon. Vas-y, roule. Le véhicule arrive vers PVC. PVC, droite. Le véhicule a pris à droite, direction Maison Fort. Attention. C'est bon, Guillaume. Il est là-haut. C'est bon, il y a un véhicule devant nous. Hein. Il a pris le pont, il a traversé les voies. R6. Direction R6, maison. Une autre voiture de la BAC et une voiture siglée police se lancent elles aussi dans la poursuite. Direction Pompadour. Il n'y a pas un collègue. Fais attention, c'est Nick. Mais ils ont mis derrière ça. Il va où? Il est en face. Il part, là. Le véhicule, il est baissé. Voix sans issue, Pernod, voix sans issue. Le fuyard prend la direction d'une impasse, les policiers pavoisent. Il est passé dessous, cet enculé. Mais avant de le coincer, il faut d'abord descendre quelques marches. Oh putain! Il est. Et au bout du tunnel, personne. Le fuyard s'est envolé. Il est passé entre les potes. Enculé! Il est passé là? L'homme a réussi à passer au millimètre entre les deux piquets. Mais d'autres patrouilles le retrouvent quelques rues plus loin et la chasse continue. Pour rejoindre le cortège, il faut maintenant remonter les escaliers en marche arrière cette fois. Oh la bagnole. Oh ma voiture est sale. À peine repartis, les policiers apprennent une bonne nouvelle. Position. Ils sont là. Il sortira pas, bon sang. Le fou du volant vient de se jeter dans une nouvelle impasse. La poursuite a duré plus d'un quart d'heure. Elle a mobilisé une dizaine de voitures de police. Cet homme était le passager de la voiture volée. Qu'est-ce que vous avez fait là, monsieur? Rien de mal. Je ramasse mon confort. Ouais. On est parti. Tiens.
Et voilà le conducteur, qui ne semble pas réaliser non plus la gravité des délits qu'il vient de commettre. Non mais je sais, monsieur. Écoutez-moi, monsieur. Monsieur, est-ce que je peux vous parler sincèrement? Sincèrement. Non, t'es un dingo. Tu me parles fort. Mais je suis pas un dingo, monsieur. Je suis... Allez, ferme la porte là. Je suis pas un dingo. Qu'est-ce que vous avez fait là, hein? Monsieur, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas de permis de conduire. Voilà, j'ai pas de permis de conduire. Je me suis sauvé pour pas me faire sauter parce que je voulais pas avoir un délit de fuite par rapport au permis de conduire. Et prendre des risques aussi énormes pour un dévot de permis de conduire. Je sais que c'est des risques vraiment énormes, monsieur. Je sais. Fonctionnaire de police en... C'est quoi le jeu? T'as pas le permis, c'est tout? Non. J'ai pas le permis de conduire. Voilà. J'ai rien à me reprocher. J'ai rien du tout à me reprocher. Vous vous rendez compte du danger là? Oui, je m'en rends compte. Voilà. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Et vous pouvez tuer 50 personnes là sur la route. Moi, je pensais qu'il allait lâcher la voiture. Il a failli croiser un fonctionnaire. Viens, allez.